Eh bien, salut tout le monde, c'est Marco. On se retrouve aujourd'hui sur PS Vita et plus précisément sur PSTV. Car oui, je joue à certains jeux de PS Vita sur PSTV, c'est beaucoup plus simple avec une manette de Play 3 ou voire de Play 4. Enfin, en l'occurrence, moi j'ai une manette de Play 3. Et on va jouer à Tukiden Kiwami. Alors, Tukiden Kiwami, enfin Tukiden tout court même. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de Monster Hunter, on va dire. Oui, c'est ça en fait. Et où on dégomme pas mal de monstres, mais c'est beaucoup plus simplifié et plus arcade. Mais ça reste très sympa comme jeu. Alors, on va faire une nouvelle partie. Donc voilà, j'ai déjà une partie en cours, hein, 77 heures de jeu. Alors, j'avais déjà joué enfin, à l'autre Tukiden, le Edge of Demon. En fait, l'avantage, c'est qu'on peut transférer sa sauvegarde, donc de Tukiden of Edge of Demon, pardon, à Tukiden Kiwami. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, j'ai pas eu à faire toutes les quêtes que j'avais déjà fait. Et donc là, voilà. Au début, j'avais pris une classe des deux lames et dans l'autre Tukiden, et dans celui-là, je me suis dit tiens, pourquoi pas changer parce qu'ils ont mis des nouvelles classes. Et du coup, c'est ça qui est bien, on peut changer en cours de jeu notre classe. Du coup, j'avais choisi une sorte d'artilleur en fait. C'est plutôt pas mal, mais c'est vachement du. Bah, c'est très distance, hein, de toute façon, hein, qu'on peut le voir. Et puis voilà, quoi. C'est un peu lent aussi, le temps de recharger tout ça. Donc là, on va faire une nouvelle partie. Voilà. Bon, on va l'appeler. Hop. Alors, comment que ça marche déjà ça? Hop, on va l'appeler Marcor. Ouais, tout simplement. Voilà, normal. Alors les cheveux, putain, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Ça c'est assez sympa. Ça non. Non, pas trop. Ça non. T'as mettre même des coupes de cheveux de meuf, mais bon. Enfin. Ah, chauve. Ah. Calvitie. Non, bah je vais mettre. Ce que j'aimais bien tout à l'heure. Hop là, voilà. De toute façon, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut changer notre couleur de cheveux aussi à la base. Enfin, en cours de jeu, quoi. Voilà. Du coup, on va pas faire trop roux parce que je suis pas roux. On va faire ça comme ça. Voilà. Bon, couleur de peau. Pouf. Peu importe. On va le laisser comme ça. Alors ça, c'est les voix. Ah, il y en a 20, on va pas toutes les faire. Moi, j'aime bien cette voix-là, elle est marrante. Allez, hop. Vendu. Alors maintenant voici les classes. J'avais même commencé par cette classe-là aussi. Pareil, c'est un peu lent, mais ça fait comme des sacrés dégâts. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer cette classe-là, bien que quand on voit lorsqu'on fabrique nos armes, elles sont beaucoup moins, enfin, la puissance d'attaque est moins puissante que les autres armes. Mais du coup, vu qu'elle est deux, je pense que au final ça revient au même que de prendre une autre arme. Donc là on a les sortes de lanciers, on a les gros points. Mais surtout ça, hein, ça évolue. Hein. Ça, je l'ai même pas essayé. Enfin, j'ai essayé juste les tutoriels. Tutoriaux. Hop, l'arc. Alors ça c'est une nouvelle classe aussi. Assez dévastatrice mais très lente, comme on peut le voir. Celle-là aussi est une nouvelle classe, si je dis pas de conneries. Ouais. Donc les artilleurs, hein. Et puis voilà. Donc non, on va choisir ça. C'est très rapide. Oui. Ah, heureusement que j'ai pas érasé mon sauvegarde. Voilà. Marcor, voilà. Zéro. Ah oui, ça c'est le truc, oh putain. Je crois que je vais le désactiver ça.
Bon, je vais passer l'intro parce que sinon ça a duré un milliard de temps. Enfin, en gros, on est attaqué par des Oni, donc qui veut dire des démons. Simplement d'une autre dimension. Et par contre, voilà, le jeu est entièrement en anglais. Donc, tout ce qui va être sous-titres et tout ça, je vous le dis, je vais le passer. Parce que les dialogues sont très longs. Et voilà quoi. Après, pour ceux qui parlent anglais. Ils ont de la chance. Donc voilà, ça c'est ce qui... C'est ça, c'est les démons. Bon, on va se le farcir. Alors, on a aussi des trucs de compétences, donc vous voyez en bas à droite. Donc lorsque je reste appuyé sur R1, on a accès. Ensuite, on a toutes sortes de combos. Voilà, alors select, voilà. Pour voir la vie. Donc vous voyez, ma barre jaune diminue en haut. Donc on va enviler la barre de, comment dire, une sorte d'armure en fait qu'il faut zigouiller avant d'atteindre la barre de vie qui est juste en dessous en rouge. Voilà. Maintenant c'est un tutoriel, on va... Voilà. Ok, j'en prends plein la gueule déjà. Où est-ce que je me ramène bien cette classe? Ah oui, il faut verrouiller, pardon, L1. Voilà. Donc vous voyez, on a pas mal de combos. Et par contre voilà, ça bouffe donc de l'énergie, on va dire. Voilà, pour se mettre sur pied, on appuie vite fait sur X. Donc là je peux même lui balancer même pas une attaque. Ah non, là c'est même pas une attaque que j'ai fait. Je sais même pas ce que ça veut dire. Du coup, voilà, là je pense que je suis plus puissant. Il va bien se laisser faire. Et le but du coup, voilà, c'est péter tous ses membres. Voilà, quand on court aussi, on a la barre qui descend. Il faut réussir à gérer tout ça en fait. Alors, ok. Et donc on a aussi l'histoire des Mitama en fait. Ce sont des sortes d'esprits qu'on peut incruster à nos armes. Voilà, donc là je veux dire, je le passe Pissa. Voilà, donc on a des choix de réponse qui je pense n'influent même pas sur l'histoire. Voilà, donc le jeu est jouable aussi en multi, donc jusqu'à 4. Alors, ce que je dis pas de bêtises, il est aussi sur Play de toute façon, PS Vita et PC. Voilà, donc là c'est... il nous montre le village un peu, comment ça se passe, mais ça on va voir tous ensemble. Voilà, donc là c'est ma piole. Voilà. Je vais juste... Hop. Setting. System setting. Hop, voilà. Comme ça nous prendra moins de temps. Alors... ouais, on s'en fout. Ah, une alarme. Je sais pas si vous allez entendre dans la vidéo. Pas vu le son trop fort. Voilà, donc là on a l'atelier d'armes, c'est lorsqu'on a des armes, on peut les stocker ici, on peut crafter, je vais vous montrer, voilà, donc voilà, on peut changer les cheveux comme vous avez dit tout à l'heure, là c'est pour masquer le casque ou non, ensuite changer d'équipement, hein. Voilà. Et là, j'ai pas de Mitama pour l'instant.
Du coup, là-bas, on a les missions. Ouais, donc là, je peux pas encore sortir. Hop, hop. Donc là, c'est la sortie pour les missions, comme dans Monster Hunter, ça, en fait. Voilà. Je ne peux toujours pas sortir non plus. Voilà. Ici, on chope les missions. Donc maintenant, il faut défendre le village. On a une heure pour tous se les faire. Et donc, on a souvent, dans la plupart des missions, même, on peut former son équipe. Mais il y a des quêtes solo et c'est quand même relativement difficile. Surtout quand on n'a pas de heal. Voilà, donc maintenant, voilà, vous voyez un peu le genre de map. C'est vraiment à la, comme à la Monster Hunter. Donc on a des objets aussi à trouver, par exemple, hop, voilà. On a même des objets cachés. Par moment, hop. Ah, j'ai oublié que c'était galère au début. Voilà, et on peut aussi, voilà, récupérer ce qu'il y a sur les monstres. Voilà. C'est bien parce que ça tape aussi mon allié. Mais bon, ça lui fait aucun dégât. Voilà. Là, c'est beaucoup plus rapide. Ouais, bah ça oui. Hop. Voilà, c'est comme ça. R. Ouais, en fait, c'est vrai, c'est les touches de la PS Vita. Et en plus, dans celui-là, on peut commander aussi... Oh putain. On peut commander aussi son équipe. Et pour l'instant, je crois pas que je puisse le faire. Ah vache, les petits enfoirés. Donc voilà, toutes sortes de combos. Là en fait, quand j'appuie ici sur carré, ça fait un coup. Et quand je cours sur l'ennemi et que j'appuie sur carré, voilà. On a une sorte de vrille. Vas-y, fais-le. Hop. Ensuite, tout ce qu'on récupère, on en aura besoin pour crafter des armes, des armures. Et aussi on peut les vendre. Ok, viens là toi. Alors normalement je crois que je peux me heal maintenant. Ah, j'ai pas encore mes compétences, ok. Bizarre. Voilà. Par contre, j'aime beaucoup le design du jeu, les dessins aussi, parce que c'est ils le font en manga. Les cinématiques sont, je trouve, qu'ils sont plutôt pas mal pour un petit jeu comme ça, oui. Sur PS Vita, c'est. C'est vraiment pas mal quoi. Et donc je sais qu'il y aura le Tukiden 2 qui sortira pour l'instant au mois de juin au Japon. Donc, j'espère qu'il fera sa sortie en Europe. Donc pareil, hein, PS3, PS Vita, PS4, peut-être PC. Ça, je sais pas. Voilà, donc là maintenant. Voilà, on voit. Donc voilà, on est bien sur PS Vita, enfin sur la PS TV. Voilà. Donc ouais, voilà, les esquives aussi, surcroît. Vous voyez, ça mange encore de la barre d'énergie.
Bon. Des fois, les premiers combats, genre pour des premiers boss, ça dure vraiment longtemps. Des fois, on se retrouve à une demi-heure sur le boss. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai récupéré. Je pense qu'on va en avoir besoin pour plus tard. Donc voilà, je peux vendre séparément avec carré, triangle, tout vendre et sinon stocker et continuer. Voilà, donc là j'ai un nouveau Mitama. Et je pourrais l'équiper sur n'importe quelle arme à volonté, c'est ça qui est bien aussi. Les Mitama, je ne sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a 200. C'est un truc de dingue quoi. Oui, voilà, c'est mon premier Mitama. Je ne sais pas, j'ai pas retenu son nom. Voilà. Bon. Désolé pour les APR, mais. C'est vrai que les dessins sont beaux, quoi. Bon, il blablate beaucoup, vous voyez. Si je passe pas, on en a encore pour demain. Du coup, normalement, voilà, là sur Terre, je peux équiper deux Mitama. Voilà, donc là, il me donne, voilà, attaque up, level 1. Et, non, je peux me mettre que 1, pardon. Et, du coup, qu'est-ce que je voulais dire, ouais, du coup, si on a les mêmes en... Par exemple, normalement, des armes, on peut en stocker 3. Alors là, c'est de l'attaque. Si on stocke 3 d'attaque, ça me fait un boost. Donc, voilà, on descend. Hop là. Alors ici, c'est pour monter en level les Mitama. Je m'en bats les reins. Hop, voilà. Donc là, j'ai pas encore combattu avec, on a une jauge, pour l'instant elle est grise, mais qui va monter au fil des combats. Et voilà. Voilà, upgrade. Mais là, je peux pas. Pareil, on peut monter le niveau des armes, jusqu'à un certain point, et des armures. Ici, bah, chez le forgeron. Hein. Voilà. Ok. Donc on peut monter, donc là c'est pas encore fait. L'armure non plus. Et voilà, donc là on a toutes les statistiques en plus d'éléments. C'est pas celle-là, fait des attaques de feu en plus, on va dire. Qui est bien par exemple contre d'autres Pokémon. Contre d'autres. Je suis encore dans le truc. D'autres méchants. D'autres démons qui seront d'un autre type d'élément. Ce sera plus ou moins efficace. Donc voilà, là donc on a tous les ingrédients qu'il faut. On n'a pas encore malheureusement. Et voilà. On peut créer les armures. Pareil, mais là, on a pas ce qu'il faut. Donc voilà, pour vous faire une idée hein, des armures. On est déjà dans le level un peu 3, c'est un peu de plus en plus rare en fait, enfin rare à trouver. Voilà, ça c'est les gants. Voilà. Donc plus loin on a un puits. Donc plus tard on pourra faire des offrandes pour qu'ils nous donnent du loot. Hop. Et ici, donc là, on a l'inventaire, le stockage. Donc, qui grandit au fur et à mesure que l'on rend des quêtes, parce qu'il y a les missions et des quêtes aussi à faire. Voilà, ok. Ouais, un drôle de Mitama, celui-là. Ouais, j'avais oublié. Ça, c'était en DLC gratuit. Du coup, là, ici, on a les sauvegardes. Et voir c'est quoi comme Mitama. Oh, on peut peut-être le prendre celui-là, tiens.
Novice Destroyer, alors détail. Oh. Oui, on va le prendre, tiens. On va tester. Ah, pardon, la grosse pierre qui était à droite en bleu, c'était pour le mode online ou ad hoc. Hop. Change d'équipement, on va changer le Mitama. Hop, voilà. Mais ils sont pas tous comme ça, hein. C'est vraiment exceptionnel, c'est du DLC. Voilà. Bon, blablabla. Donc lui, il peut donner des informations sur tous les démons. Hop. Toujours pas. Ça, c'est chiant au début. Il faut vraiment faire le tour de tout. Qui vous explique chaque rôle de chaque personnage. Non, c'est pas ici. Là, il y a personne. Personne non plus. Voilà. Voilà. Je suis désolé, mais je suis vraiment obligé de passer pour faire. Enfin, écourter un maximum la vidéo. Voilà, donc ça, c'est les Mitama qui nous causent. Voilà. Ah, j'avais oublié ce que c'était. Ah oui, d'accord. On va se blinder en défense. Du coup, j'ai que 260 pièces. Ah, ok. C'est vraiment des chances, quoi. Voilà, impeccable. C'est vrai que j'y pensais même plus à ça, j'y vais jamais, je fais le jeu sans ça en fait. Ouais, mais ça on s'en fiche. Ça c'est pour s'entraîner. On va y arriver à faire des missions, on va y arriver. Heureusement que c'est pas très grand. Hein. Hop, ah, là-bas. Voilà. Nouvelle quête. Voilà, c'est ça les quêtes. Par exemple, voilà, je dois ramasser ça et... En échange, il me donne de l'argent ou plus de place dans mon inventaire, enfin tous les trucs comme ça quoi. Donc on a dit copper ore, mais ça, hop, ça dépend des endroits où l'on va quoi. Bon bah faisons la deuxième, donc faut en tuer 10 comme ça. Et c'est parti. Donc bien sûr après ça devient plus intéressant au fur et à mesure du jeu. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut aller jusqu'à 4, donc l'intelligence artificielle qui nous suit est vraiment douée. C'est vraiment le plus du truc. Alors, je sais même pas c'est quoi ces trucs. Voilà, donc c'est les crânes en feu qu'on doit se faire. Je kiffe tout. Du coup, à mon avis, j'ai dû briller sa défense à lui. Et voilà, donc là on peut dire, bon là il est en free, pour les attaquer, c'est pareil, me suivre, et en bleu pour aider, genre à ramasser des... Voilà, par exemple ça. Hop. Je vais la laisser attaquer, comme ça. Je me demande ce que c'est... Non, bon, c'est pas ce qu'on cherche. Allez hop, t'as pas le temps d'attaquer.
Les yeux rouges. Plus que 5. Ça va, une heure pour le faire, c'est honnête. Hein. Normalement, donc, ça doit être un truc qui doit se trouver au sol pour la petite quête. Bon. À moins que ça se trouve dans un autre décor. Hein. Non, Red Claw. Voilà. Comment je foire mon attaque, quoi. Oh, faut peut-être quand même le prendre. Ouais, ça, des fois, des cornes comme ça, on en a besoin. Et là, on a aussi... Alors, ça dépend de ce que c'est. C'est pour recharger la vie ou pas. Non, c'était pour... Ouais, c'était pour recharger la vie. Ouais, des abdomens. Des fois, voilà, quand on passe en... À cette vue-là, il y a des objets cachés. Hein. Enfin, je viens de me suivre parce que là, elle attaque tout le temps. On aura fini la quête avant, quoi. On va faire la peau. Hop. Ah oui, il y en a là-bas. Ah, encore des yeux rouges. Du coup, je sais pas ce qui m'arrive, hein, mais c'est un peu bizarre. Ah, c'est peut-être un sort qu'elle m'a mis en plus. Ah bah, ça spawn à foison. Donc bien sûr, si vous ne mourrez pas dans, en mission, vous gagnez plus d'argent. Voilà, mission accomplie. Voilà, on va directement... Hop. Voilà, une battle, voilà, vu que je suis pas revenu, j'ai gagné 180, c'est bon. Vous avez vu Mitama qui a pris un peu d'XP aussi. Voilà. Donc là, je pense que ça fait déjà 28 minutes. Non, pour du gros boss, c'est pas la peine. Non, on va... un peu... upgrader tout ça. Non. Voilà. Hop. On la fortifie. Plus 4 d'attaque. Voilà, jusqu'au level 9. Oui, merci. Voilà, peut-être que l'armure aussi... Ah, on a les gants. Voilà, donc là on peut toujours rien créer. Ouais. Si, juste ça, mais on l'a déjà. Un brin de Cosette. Ouais, c'est un village sympa, nanana nanana. Ah! On a peut-être du plus gros à attaquer là. Alors, quête, non, on n'a pas trouvé les copper ore. Ouais, bon, c'est la sécurisation de. Bah voilà, comme je vous dis, maintenant. On est plus. Et je veux dire, même avant, on peut même dire, voilà, qui attaque. Lui, il va passer en free, on va le mettre en aide. Pour ramasser... Ouais, même pas. Bah non, c'est de la défense de zone. Du coup, je vais le mettre en attaque.
Yo, anta ga uwasa no shinjin ka? Bon là ils font connaissance quoi. Ii kao shiteiru. Hatsuko mo makete rare. Ore wa Ibuki. Venons-en au fait. Yoroshiku na. Sate. Donc on a trois territoires à faire. Donc faut tous leur exposer la tronche quoi. Là-bas. Voilà. Ah, ça fait mal à 3. Et donc, oui, on a aussi, il faudrait que je vous montre dans une prochaine vidéo. On a donc en haut à gauche de l'écran, là où il y a le logo de mes armes. Comment dire ? L'arme se remplit en fait. Ça fait une super attaque, tout comme la jauge bleue. Mais là, il faut. Pour plus facile de pour la remplir, il faut avoir des partenaires, quoi. Voilà. Merde, j'appuie sur les touches. Je l'aurais bien fait sur PC pour un meilleur stream et tout quoi. Même faire des lives. Mais le problème c'est qu'il est super cher. Il est disponible sur Steam si vous le voulez. Voilà. Alors, foiré. Au moment où j'esquive. Voilà. Pouah, il l'a planté. Il reste quel ennemi là ? Ah, ils font le vide. Pour ça. Ah. Encore. Oh, on a du gros, bah voilà. J'avais qu'à demander. Oh putain, là on va en chier. Allez, maintenant la grosse bête. Ah non, ça va, c'est pas un boss. Oh bah, ça a été rapide. Hop là, un Mitama. Ouais, bon. Ouais, donc là je peux même pas quitter. Non, t'y arrives. 5, 4, 3. Ouais, bon. Ça, des broken, des fois, pas mal de fois on a besoin de ça. Voilà, ouais, soit les gold machin. On va tout garder pour l'instant. On ne sait jamais. Merci. Parcours de santé, hein.
Ok, impeccable. C'est vrai que les dessins sont super, quoi. Oui, c'est moi. Alors, on peut faire... Je voulais voir quand même celui-là. Non. Ouais, c'est carnage, machin. Ah, c'est de la défense. On devrait peut-être plutôt jouer là-dessus un peu. Ouais, il va falloir que je le mette, tiens. Ouais, d'abord là. Qu'est-ce qu'il y a de... non, ok. Ah oui, puis je crois qu'il faut de la thune aussi pour en plus fabriquer les armes, donc il faut... Je dis pas de bêtises. Non, même pas. Ok. On peut toujours rien créer. Et un arme non plus. Ah, peut-être bientôt celle-là. La déformée spawn. Bon, ça, on peut en trouver. Les... Ça, on en a eu. Ouais, ça vaudra plus le coup, quoi. De toute façon, ça, on les a trouvés dans le monde où on était déjà. Ça va être un objectif à faire, tiens. De toute façon, on n'a pas le choix que d'avoir des meilleures armes. Peu importe. Cool. Alors... Hop. Konnichiwa. Est-ce qu'on a rempli au moins une... Oui, mais ça... Ouais, bah ça, je peux en avoir tant que je veux, soit là. Mission. Bon, bah ça, c'est pas intéressant. Faut juste trouver les 5 pierres de prière. Donc, secure. Ouais, sécurisé, on gagne 240. On va faire ça. Ok. Je vais la mettre en attaque. Ah, je déteste les araignées. Bon, on va laisser faire pour l'instant. Nous, on essaye de recueillir aussi un max de ressources. Ah, mais c'est plus le même... J'ai pas regardé si c'était le même endroit, en fait. Je vais la mettre en free. Ah oui, j'ai pas changé de mitama. Ouais, je voulais mettre la défense. Ouais, ouais, Toxic Fang. C'est vraiment des fois du loot aléatoire, quoi. Hop, on va ramasser ça. Yata! C'est un peu comme Chun-Li. Hein.
Allez, il y en a. Donc, plus on est dessus à prendre le cadavre de la bestiole, plus ça va vite, forcément. Du bon DPS, c'est pas mal. Merde, ouais. C'est vrai que c'est un gros bordel à l'écran, hein, ça. Faut pas le nier. Il y a des couleurs différentes aussi de bestioles. Voilà, Deformed Bone, c'est ce qu'on avait besoin tout à l'heure pour créer l'arme, je crois. Donc maintenant on sait sur quelle bestiole l'a trouvé. Donc c'est ce sort d'araignée un peu violette. Bon, du coup, ça n'a pas dit ce que j'ai trouvé. Ok, ok. Ah oui, il y a des objets cachés. Ouais, bon. Rien de super. Bon, on a le temps pour une petite mission encore, ouais, pourquoi pas. Ah, ben voilà. Alors, ok. Ensemble, il faut réussir, oui. Très bien. Voilà. Alors, ça va être quel genre de mission, ça? Attendez, juste faire... Ah, changer mon Mitama. Hop, hop. À la limite, faudrait que je loot avant. Essayer d'avoir l'arme qu'il faut. Mais bon. On peut s'en sortir quand même. Ouais. Parce que là, on passe tout de suite de... Ouais. 116. Ah, plus les 4. À 145, ouais. Quand les gants. Ça y va, hein. Voilà. Enquête, on a quelque chose à rendre. Ouais. Voilà. Voilà, 425. Mission. Ah, un boss. Oui, allez, c'est parti. Hop là, c'est plutôt par là. Donc là, vous voyez, on a qu'une seule zone à aller. De toute façon, c'est direct au boss. Ah, une belle saloperie.
Évidemment, il y en a après moi. Alors, ça, ça. Ah oui, d'accord. Ouais, ça marche bien cette barrière. Donc là, on voit toutes les parties qu'on peut lui entamer. Et un peu. Voilà. Même le haut, normalement. C'est bien barrière, ouais. Évidemment, j'en ai que deux. Donc ouais, sa barre violette qui diminue. Hop là. Donc là, il a plus de, d'armure. Hein. Voilà. Voilà, attends, il y a des gens viennent un en aide. Toi. Récupérer le morceau. Parce que voilà, si lui récupère son morceau. Putain, arrache. Et du coup, il se régène, quoi. Il lui trinque bien casse-couille. Voilà, on prend sacrément de dégâts quand même dans le jeu. Bah, sinon, ce serait pas drôle. Ah, voilà, copain. Oh. Ça, c'est ce que je cherchais pour accomplir la petite quête. Oh la vache, la tôle qui m'a mis. Ah, vas-y, j'esquive là. Sauf dès que j'ai mon attaque ultime là, enfin, elle en orange. Ça va chier. Ok, on me tire. Hop là! Encore un bout en moins. Laisse-nous récupérer tes membres, laisse! Oh, ça éclate de tous les sens. Hé! Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a... Ah oui, il y a encore ses pointes en haut et ses cornes. Et il est même pas mid-life. C'est pour ça aussi que je prends la classe là, parce qu'on a quand même accès à certaines zones des boss, hormis les persos de distance. Du coup, c'est plus facile pour leur casser, quoi. C'est sûr qu'avec les petites armes... Allez... Mais shit, c'est une armure à mon avis. C'est vraiment pas mal. Du coup, j'ai rien qu'on lui pète ça, parce qu'à mon avis, on va en avoir besoin pour créer une armure. Hop.
On lui a pété ses cornes, je crois. Mais des fois, en fait, il y a des éléments où qu'on n'a pas besoin de ramasser. Hein. Ses cornes, ouais, il n'y en a plus besoin. Maintenant, j'ai envie d'avoir l'autre griffe sur le duo. Ah, c'est bon, elle est pétée. Et la tirer. Bah voilà. Viens. Oh la vache. Il reste quoi comme vie? Ouais, c'est bon, la belle descendue. J'aime bien ce style de défense. Faudrait que je fasse un full Mitama en défense. Ça va être pas mal. Au moins, quand on est encore à corps comme ça, c'est vachement utile. Parce que sur l'autre perso, je crois que j'avais fait un full attaque. Après j'ai une autre attaque aussi, c'est une sorte de poursuite. Voilà, si j'appuie sur carré et croix, voilà. Mais bon, ça bouffe à mort aussi. Et donc la jauge bleue, normalement, il faut être à proximité des alliés. Mais là, je vais finir avec ça. Là. Ouais, il a pris bien cher. Allez. Voilà, hop, on a un lien qui se fait et. Pouah. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment du fou. Ah bah, il reste plus qu'à 1000 mètres du coup. Voilà. Nouveau Mitama. Allez, 2, 1, hop. Alors, Dieu n'amasse pas beaucoup, hein, de toute façon. Un peu normal, voilà. Faudra monter le Mitama. On a eu ça. Impeccable. Bon, on y fait pas mal de temps là. On va voir le Mitama qui cause. Ah bah, déjà. Bon, on a quand même sauté, vous voyez, on peut sauter des chapitres. Hein. Là, c'était pas très intéressant pour la vidéo. Ah, déblaté. Laisse-moi sauvegarder. Voilà, on sauvegarde. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bien, dites-moi si vous voulez une suite à ce jeu. Il y a pas mal de boss, sinon je peux continuer avec mon autre personnage aussi. Hein. Voilà. Donc là, on a joué quand même 47 minutes. Qui est déjà plutôt pas mal. Bon, mais écoutez, je vous dis à la prochaine. J'espère vous voir. N'oubliez pas, enfin, de voir sur ma page Facebook. Enfin, n'oubliez pas la page Facebook. Pardon, je suis en train de m'embrouiller. Et donc voilà, n'hésitez pas à visiter ma page Facebook vu qu'il y a plus de contenu, notamment beaucoup de screenshots de différents jeux dont je n'ai pas fait de vidéo d'ailleurs, qu'il faudrait. Donc voilà. Bah, merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à la prochaine.